L'épisode 9 de ma carrière My Club sur la Julia FC. Donc on est un peu tombé au classement, on est passé deuxième, mais Duisbourg a un match d'avance. Et on joue contre les cinquièmes, Wurzburg. Donc bon. C'est l'équipe comme ça. Ouais, l'une des attractions de ce match, c'est lui. C'est le meilleur buteur du championnat. C'est la neige. Il a envie de le confirmer dès le coup d'envoi. Ce sera dans quelques minutes maintenant. Salut à tous. Vous le voyez sur ces premières images, la météo nous gâte aujourd'hui. Il fait très très beau pour cette rencontre. Mais dans les commentaires, bien, ce sera moi, l'officier. Confirmé. Championnat suit son cours. De reprendre la première place. Détermination. On fait prendre la balle. On sent la même tension dans les tribunes. On espère bien sûr assister à un super match. Je suis assez confiant pour tout vous dire. Un petit peu de soutien autour de lui. Dommage, la frappe tient à côté. Qui a filé au-dessus. Tant mieux pour nous. Quand même, parce que là. Il était bien placé pour un ah, intercepter cette passe. La frappe, la passe est contrée. Oh, il est passé, il y a danger. Oh, la nouvelle occasion. Premier but pour Wurzburg. Voilà un match qui commence fort. Ça commence bien. Ce but et cette petite erreur d'appréciation quand même de la part du gardien qui a laissé un boulevard sur le premier poteau. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Ah, il est à l'interception. Il va s'intercepter. C'est le en profondeur. Et ça fait but. Le premier but pour la pour Wurzburg. C'est ce qu'on appelle des débuts réussis. Ça fait maintenant deux dégâts. Un 2-0 au tableau d'affichage. Je crois que la deuxième fois, deuxième match de saison sera catastrophique pour Julia FC. On a fait une bonne partie de première saison. Un truc qui file vers le second poteau. Magnifique reprise. Ouais, magnifique reprise de volée. Qui méritait mieux, mais qui passe à côté. Ah, si on n'y arrive plus, tant pis. Hein. On reconstruira l'équipe pour la saison prochaine. Ils reviennent dans le match. Et premier but pour Théo Bader. C'est pas trop mal, mais il y en a toujours un but de retard. Ce ballon, dos au but, la frappe en pivot, c'est magnifique. Hein. Ça va bien qu'on ait égalisé. Je suis pas sûr. Et 2 buts à 1 donc maintenant. Arrêtez de se mettre la pression, on va jouer pour le fun comme on avait commencé. Non, on a quand même mais c'est un adversaire qui récupère. Les Black Cats qui se font de plus en plus pressants. Allez, ils peuvent égaliser là. Oh, il repousse, ça joue. Ah, c'est dommage. C'est une occasion d'être. Oh, dommage. Le danger est écarté. On n'a pas réussi à reprendre la balle, dommage. Ah, mais alors, c'était pas là que je voulais la mettre. Dans cette zone. Hop. Non, sors pas. Ouf. On a eu de la chance. Voilà. C'est pas sorti. Ça joue pas mal, ils sont en train de revenir dans ce match, ils peuvent espérer égaliser. Et deuxième but, égalisation à la 25e minute. Oh, ils ont bien fait de s'accrocher, ils reviennent à égalité après avoir été menés de 2 buts. Pour Becker. Oh ouais, le joueur là qui élimine d'abord le défenseur qui lui barrait la route. Le gardien qui est devancé au premier poteau. Qui
qui sait, peut-être en arrêtant de se mettre la pression en disant bah ouais, c'est pas grave, on va reconstruire tout ça, peut-être que on reprendra du poil de la bête et... Puis bon, ouais, on n'est pas le Real, on n'est pas Paris. Je crois qu'il était là. Donc voilà quoi, on n'a qu'une toute petite équipe. De Détroit allemande. C'est Hartmann qui remonte. Ah, j'ai pas réussi à faire la passe là. Très bonne intervention. Dommage. Il donne par-dessus. Oh, bien joué. C'était chaud. Il a dégagé. Passe à Hartmann sur le côté droit. Attention. Veuf. Je savais bien que ça allait être intercepté. Cherche des solutions là. Ah, il y a beaucoup à jouer là, il n'est pas tout seul. Oula, il a failli avoir faute. Ce ballon. Interception. Ah. Zut. On cherche la faille dans la défense adverse. Et ils se refont un peu plus pressants du fait qu'on a été égalisé. Mais. Oh ouais, le ballon est perdu. On perd un balle sur le ballon. Parce qu'il s'enchaîne en espérant trouver l'ouverture. Ah, une fois mais pas deux, là, on a failli assister à un doublé. Et cette fois, ça ne rentrera pas. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Ah, oh. Alors, le ballon qui frappe la transversale. Ah, quel arrêt de clan. La là. Mi-temps, on a failli se prendre un troisième but. Mais non, il y a eu le début. Il reste du suspense avec ce 2 partout à la pause. Ouais, c'est clair que Copax nous enquiquine un peu. Et début de la deuxième les période. Les deux équipes qui sont venues du vestiaire, qui vont pouvoir reprendre le jeu dans ce match très équilibré pour l'instant. Contré mais pas repris. Frappe de loin. Mais quel arrêt de Klein. On va faire un long dégagement. Ah non, ah non. Ah, balle perdue, interception de Wolfsburg. Allez, faut centrer, c'est le moment, il prend sa chance. Ah, quel arrêt. Non. Oh, arrêt de Klein encore. Qui arrive sur sa défense, on va dire quand vitesse. Même, parce que là, franchement, il n'y a rien de passeur, surtout. Hop. Le dégagement mal fait. City qui s'est renforcé de belle manière en faisant venir cet espoir pétri de talent. Là. Une transaction qui a mis fin donc à une longue période de prospection, de supervision. Et oui, troisième but, mais non, refusé. Fait suer. Et hors jeu, mercredi. Ça aurait été trop beau. Ça aurait été trop beau. Passe à Varga. Ah zut, passe contrée et interceptée. Ah, ça, ça va. Il est sur la trajectoire. Il passe. On a atteint l'heure de jeu. Les Bengals qui vont essayer de créer le surnombre. Il faut trouver une option disponible.
Corner pour la Julia FC. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de corner. Après tout, pourquoi pas prendre l'avantage. Ça s'agite dans les tribunes. Ah, dommage. Ah, le ballon qui est finalement perdu. On est gâté en termes d'occasion aujourd'hui. Hein. Quel match. Visiblement, les deux équipes ont décidé de se porter sur l'attaque. Et arrêt de Klein. Le drapeau s'est levé, mais ça doit être vraiment limite. Bah bon, hors-jeu, bah ouais, mais il aurait pu nous laisser, on avait l'arrêt. Hein. Falcao, ça va pas être le gros joueur Falcao. C'est dégagé sur l'aile. Passe à Hartmann. Oh dommage, passe intercepté. Interception. Hop, on reprend la balle. La passe est interceptée. Oh, interception. Oh, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Bonne anticipation sur cette interception. Passe à Becker. Qui se fait prendre la balle, Becker. Dommage. Essaye de trouver la faille. Je crois qu'on restera plutôt deuxième. C'est pas grave. Alors le ballon est perdu. Passe à Hartmann. Du temps réglementaire. Passe à Varga de l'autre côté. Il est un peu tout seul, il peut y aller. Allez, faut mettre celui-là. Ah zut, t'es au badeur qui rate la passe. Là, il aurait pu. Chercher une ouverture, bien sûr. Frappe! Le poteau et le but, oui. Oh, qu'ils reviennent de loin. Théo Bader qui voilà met le troisième but. La Julia FC ne renonce pas aussi facilement. C'est magique. On a le soutien de nos joueurs, de nos très bons joueurs. Déjà deux buts pour Théo Bader. Je vous rappelle le score, hein, 3 buts à 2 maintenant. Attention à cette action, c'est un petit peu maintenant ou jamais là pour égaliser. Entrée, intercepté. Très bonne interception défensive. Et faut qu'on relance. Un petit peu pressé sur Non, c'est bon. Faute, mais l'arbitre préfère laisser l'avantage. Ouais. On va revenir à la faute. Il revient à la faute là. Ça nous permet de garder la possession de balle. Hop. Passe à Varga. Ah zut, Varga qui court. Dommage. Je fais courir Varga. L'équipe n'a pas donné toutes les garanties défensives aujourd'hui. Se lancer dans la gueule du loup comme on dit. D'avoir marqué 3 fois. Pour se faire avoir la balle. La victoire. Et ça, c'est le plus important. Faute de la Julia FC. Corner. Ce ballon a été touché en dernier lieu par le défenseur. Changer Koun pour Müller. Non, ça serait bien qu'on ne se prenne pas une égalisation. Corner adressé au niveau du point de penalty. Bon dégagement. Allez, il faut bien s'appliquer sur ce ballon. Il y a encore de la place pour égaliser. Ah oh, purée, égalisation, je dis de pas la prendre et puis je la prends. Ça va faire qu'un point. Et pas trois. J'étais un peu stressé là. Égalisation. Un point et on garde la deuxième. C'est un nul qui reste une déception. La deuxième place. L'équipe espérait mieux. Interview d'après match. Danke, dass Sie so kurz nach Abpfiff vor unsere Kamera gekommen sind.
Excellente performance de Bader. Toujours aussi bon Bader. Alors, qu'avez-vous pensé de l'égalisation? On peut faire mieux. On peut faire tellement mieux. C'est pas possible. Lors de vos deux derniers matchs, vous n'êtes pas parvenu à faire la différence, non? Avez-vous un problème d'attaque? Non, notre attaque va bien. Va très bien, c'est nous. C'est moi qui mets trop la pression et je déconne. Ouais. Alors, Sissoko prêté à Pau FC. Et je tenais à vous remercier de ne pas m'avoir oublié pendant ma convalescence. Bah non. Je sais ce que tu peux apporter à l'équipe, Hoffman. Tu es un très bon défenseur. Voilà. Et on retombe dans le rouge. Hein. Alors, un rapport final de Mathias Rocus 57. Bon, on va pas le prendre, c'est assez clair. Et Giannimi 74 pourquoi j'avais ah oui non c'est lui qui me l'avait trouvé oui, mais il me trouve aussi des joueurs à 4 millions le truc c'est hallucinant quoi j'ai pas les 4 millions hein. Rocus ah il y a 17 ans Rocus. Mais ils me disent pas en fait s'il peut monter tout ça. C'est un truc qui m'embête un peu parce qu'avant ils disaient justement s'il pouvait encore monter le joueur ou pas. Et là à 57, non je vais pas m'y risquer à le prendre quoi. J'ai déjà un budget assez serré, 2 330 000. Non, je vais pas le prendre. Offre de transfert pour Klein. Klein qui le veulent qu'à 1 million. Il y a des autres joueurs qui y jouent bien et puis sa valeur monte et puis lui il monte pas. Donc. Alors Victoria Köln. On peut gagner contre Victoria Köln. Victoria Köln 15e. On va peut-être mettre Marinovic. Parce que Marinovic, ça fait un petit moment qu'on l'a pas fait jouer, Marinovic. Marinovic qui est là. Non, c'est Martinez, pardon. Marinovic, là. Voilà. On va mettre Godefroy. Mettre Soirée aussi. Et Russell. Moi seul, on va le mettre à la place de Langer, voilà. Et on va croiser les doigts pour faire au moins une victoire. On va laisser Théo Bader devant. Hein. Comme ça, s'il peut concrétiser un ou deux buts. Ça ne serait pas plus mal, dirons-nous. Salut à tous, je suis absolument ravi de vous retrouver pour cette rencontre. C'est pour qui vous commenter ce match. Si il casse parfois, c'est que vous n'êtes pas bon. Vu c'est un match de championnat, j'imagine que vous le voyez, que vous l'entendez. Il y a. Pas ça, Varga, non, mais voilà. Et voilà, j'essaye de courir alors qu'ils sont. Moi, je suis prêt. Je suis sûr que vous l'êtes aussi chez vous. On va pas si sûr que toi, Hervé. Si, prêt chez moi. Ça va. Ah, c'était appliqué avec ce petit intérieur du pied. Mais c'est la barre qu'il a trouvé. Et là, je dis pas. Je stresse encore un peu. Mais allez.
Et encore la grosse bêtise de, au lieu de faire une passe, je cours. Baker, hop, construisons. Ah, j'ai eu de Varga qui n'est pas passé. Allez, il a de la place dans le couloir. Allez, ça peut ah, purée. Marinovic qui aurait alors qu'on sortait à peine du round d'observation. Marque un but. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Je suis un peu déçu de Marinovic quand même, à force. Je trouve qu'il y a des tirs qu'il pourrait arrêter, et il les arrête pas. Merde, c'était pas le mien celui-là. Mais ouais, sorti. Interception. Becker. Ça joue vers l'avant. Théo Bader. Oh mais non Théo, pourquoi tu me l'as remise derrière? Il a gagné son duel dans la surface. Trop de monde et puis au lieu de le mettre sur les côtés, je le mets en plein milieu. De tout le monde. Interception. Ouais, y'a personne. Mais je cours. Alors, touche longue, touche courte. On sorti pour nous. Allez, on a encore le temps. On a encore le temps, les moyens. De concrétiser. Passe à Becker. Passe à Varga là. Fait tourner en attendant l'ouverture. Ah dommage. Et le gardien qui s'interpose magnifiquement. Pas réussi à faire la tête pour la passe. L'équipe n'est pas à l'abri dans ce match. On vient de le voir avec le frayeur. Non, c'est pas moi. Ce n'est pas à moi. Contré. Oh non, deuxième but de Victoria. Le match est plié, je le sens bien, avec une nouvelle défaite de la Julia FC. Il faut tenter d'oublier ce but. Cette intervention. Interception. Sorti. Ouais, allez, interception, moi qui me fais mal mes passes maintenant. Il y a une vraie difficulté à se montrer dangereux. Pour qui ce centre? La défense qui maîtrise la situation. Ah non, purée, encore. Courir comme une feuille. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Je fais trop de bêtises. Ouais, j'ai l'impression que la déception de mal jouer et tout ça fait que. On va essayer de chercher quelqu'un dans l'axe. Ah non, encore. Je trouvais mieux mes joueurs avant, je trouvais mieux le chemin des buts. Il faut tourner à l'affût de l'ouverture. Et là, je prends des grosses. Enfin, des mauvaises décisions. Et l'occasion!
Oh la barre. Oh là là. Et je fais des frappes. Merde. Dégager ce ballon. Un peu de repos pour tout le monde. Ouais, 2-0 à la mi-temps. Et pour l'instant, ils sont menés au score. Ah, ils ont marqué des buts hein, dans cette première période. Mais comme la défense prend l'eau de toutes parts, eh bien, ça ne suffit pas à avoir un résultat. Allez, les deux équipes qui sont revenues sur la pelouse, c'est parti. Pas sûr qu'on puisse revenir vraiment au score avec deux buts là, de retard. Là. Je suis vraiment pas sûr. L'ouverture, et ils sont à la récupération. La 4 avec la possession, attention. Et oui, un but. Oh non, une contre-jeu. Pas vrai, deux fois. Deux fois, on aurait pu faire 2-2, mais non, c'est pas. Allez, je cours. Je cours pour essayer. Puis je fais des grosses bêtises. Voilà. C'est pas possible. Essaye de trouver la faille. Non. Hors jeu, allez hop. 3 hors jeu dans le match. Putain, c'est pas vrai, pardon. Je commence à dire des gros mots, je rage. Je commence à rager sur moi-même depuis le 8ème épisode. Un ras-le-bol, comment dire, de mes bêtises à moi qui s'installent. Voilà. Je fais du n'importe quoi. Il va y avoir un remplacement. Et ce ballon qui est voilà. Interception. Allez, je voyais qu'il était à côté de moi et j'essaie quand même de tenter la passe. Marcel Rousseau. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Ouais, les défenseurs qui vivent un véritable cauchemar. Interception. Il y a peut-être moyen de placer un contre, attention. Il est allé au charbon pour prendre ce ballon. Ouais, Théo Bader. Oui, premier but de Théo Bader. Il y a peut-être encore assez de temps pour aller égaliser si on joue bien. Hein. On va se face à face. Avec la finition en puissance. Ouais, bonne soirée à la place de Becker. Il mène à la marque désormais de buts à 1. Oh, il est passé. Il est passé, oui. Mais qu'est-ce qu'il me fait lui? Purée. Corner. On demande ce qu'il m'a fait. Ce corner au niveau du point de penalty. Oh oui, le but. Mais allez, troisième. L'écart au tableau d'affichage qui s'élargit. Troisième but. Ça le fera pas. Ça le fera pas. Il a encaissé un but il y a quelques secondes et qui s'est remis à l'ouvrage tout de suite. Ça fait maintenant 3 buts à 1 au tableau d'affichage. Et je cours. Voilà le ras-le-bol de mes bêtises qui fait que je pourrais pas être entraîneur en vrai. Entraîneuse, c'est mort. Je ne pourrais absolument pas être entraîneur. Je crois que je les frappe, mes joueurs. Tu t'avais dit de bien jouer. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Ah, il est où? Ah.
Et c'est dommage. Son duel face à l'attaquant. Et redommage. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Cherche une solution. Allez, oui, il va y aller. Oh, bien joué. C'était chaud. Il a dégagé. Il faudrait qu'on reparte en mode no stress, il y a poignet là. Et deuxième but de Théo Bader. Les 82e minute, purée, si on pouvait jouer comme ça, au lieu de stresser, franchement, comme avant, ce serait beaucoup mieux. Allez, on va mettre Godoy pour les 8 dernières minutes. L'impact, les yeux qui ne quittent pas le ballon, c'est beau. Ça fait donc 3 buts à 2, un petit but d'écart. Encore 7 minutes à jouer. Hartmann qui va essayer de remonter la balle. Ouais. Sorti pour nous. C'est une touche à venir. Il faut qu'il centre là. Allez, un peu d'égalisé là. Oh mais qu'est-ce qu'il me fait ce... Sortie de but après cette action. N'importe quoi. Allez, changement avec un joueur qui... Vraiment du n'importe quoi là. C'est... J'ai pas compris pourquoi ils se sont télescopés mes joueurs là. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Oh non, hors jeu. C'est vraiment qui est intercepté. Ouais, mais c'est hors jeu. 2 minutes de temps additionnel. Et là, ils vont nous faire courir pour l'autre. Ouais. Et 3-2. Et cette équipe qui va donc rentrer de son déplacement. L'équipe qui s'incline de peu. Il y a certainement des choses positives à retirer de ce match. Je suis triste de faire autant de bêtises. Que ça, franchement, je jouais tellement mieux avant. Quand je ne mettais pas la pression, pas de stress. Que j'étais là en me disant simplement, c'est pas grave, on construit simplement, on n'arrivera pas premier. Et tout ça. Et puis en fait, ouais. Bader, lui, il enchaîne encore. Alors, voilà, on méritait mieux, carrément. Il était tellement mieux d'ailleurs. Que s'est-il passé? La pression était forte. Voilà. J'ai mis la pression. En plus, c'est vrai. Mais je me mets la pression pour rien. Oui, voilà. Nous sommes en retard. Oui, je sais. Nous sommes en retard. Oui, je sais. Mais enfin, j'ai plus personne dans l'équipe jeune. Mon petit, alors, je peux pas faire mieux. Alors, rapport final. Cosma Atanas. 58. Bah, oui. Non. Jack Cooper Love. 56. Non. Mais aura pas. On n'aura pas nos petits jeunes. Frédéric Gulbranson, 72, mais 2 300 000. Je n'ai absolument pas cet argent. Il faut que je m'achète deux petits jeunes de moins de 20 ans. Offre de prêt pour Léo Ekki. Croleton. Ils sont avec nous en plus. Croleton sont en Angleterre, désolé, excusez-moi. Avec option d'achat. Non. Après simplement. Bah il veut pas. Bah tant pis.
le prochain match est contre Meppen. Meppen. Je sais même pas si ça sert encore à quelque chose de regarder où sont les autres équipes, parce que pour l'instant on fait que des bêtises. 11e. Et on est vraiment tombé dans le rouge, on est à 66 pardon. Ça commence à plonger et je sais pas si on peut se faire renvoyer quand c'est nous qui créons l'équipe. Je sais pas. Me faire peut-être renvoyer de l'équipe que j'ai créée moi-même, de mon équipe, mais. Allez, les joueurs qui sont prêts ou presque. La, la neige encore. Bien garnie. On attend tous avec impatience hein, le début de ce allez, match. Le match no stress. On parle depuis pas mal de temps. Salut à tout le monde. Comme vous l'aurez no remarqué, stress, on est sous pour la s'amuser. Neige. Ouais, on essaie de retourner comme avant. C'est moi, vous pas se mettre la pression. Et voilà. Vibrer à vos exploits. Il perd la balle à cause de la neige, lui. Pas de chance. J'espère bien sûr se régaler. J'espère bien sûr assister à un super match. Je suis assez confiant pour tout vous dire. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut bien faire un but. Oh, quel arrêt de Klein. Long dégagement de Klein. La passe est coupée, bien défendu. Wow. J'ai évité le corner là. Gunther, Gunther, non, oh bah il perd quand même la belle, pauvre Gunther. Ouais, oh, dommage. Dans la boîte, il y a du monde. Interception, cool. Ah non, Varga, c'était toi qui devais partir. Voilà, petite bêtise, j'avais pas vu que c'était Varga. L'espace par là. La grosse occasion pour prendre l'avantage. Arrête de plein. Eh non, on va retomber au classement général. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. À force de, d'avoir des défaites. Voilà. Ouais, il a dribblé, magnifique. Je sais pas ce qu'il manque à mon équipe quand même. J'ai l'impression que les joueurs n'ont plus envie comme avant, à part Théo Bader. Théo Bader lui déchire depuis le début. Hop, par le. Ah, dommage. Elle n'est pas passée la balle. Il ne croyait pas non plus beaucoup, mais bon. Stress, ça ça va, hein. Ça a pas peur. Hein. Oh non. Mais ah, ils perdent ce ballon. Comme d'hab, on perd beaucoup, beaucoup trop de ballons, je trouve. On va pouvoir centrer. Ah, il a coupé le. Interception. Passe à Varga. Passe à Bader, passe à Varga et c'est perdu. Il s'est ramassé dans la neige. C'est sans doute préférable pour les s'occuper de cette blessure. Non, c'est qui? Varga. Varga qui est blessé. On aura pour quelques semaines. Ouais, ça s'arrête là. Bien joué. Le FCF. Attention, il a du champ devant lui. Mais sortie début. Sortie tout court. Point. C'est une sortie. Point. Sous la pression de l'adversaire.
Langer, qui va devoir défendre maintenant, puisque ce ballon est perdu. La bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Toujours, toujours 1-0 pour Meppen. Oh, c'est dangereux. Ah, quel arrêt de Klein. L'équipe qui était tout près d'encaisser un but de plus. C'est pas un signe positif. Ça ne passe pas. Ils ont retrouvé de la voie. Ouais, pourquoi pas, c'est bien vu. Ce sera un corner. Corner. Cherche le point de pénalty. Gunther. Un bon milieu aussi, Gunther. Bader. Pas sur le côté. Attention. Oh ça, non. Mauvaise passe de Bader. Interception. Perdu dans la un trou période noir, qui reprend à l'instant. De malchance, de stress, de pression, et puis on continue à mal jouer. Et il récupère le ballon dans sa surface. Encore. Oh non, ouais, ça n'ira pas plus loin. Un joueur promis un bel avenir et qui va donc porter le maillot de Manchester United. C'est officiel maintenant. Ça, c'est un joueur qui devrait quand même beaucoup apporter sur le terrain dans le vestiaire. Il prend sa chance. Ouf, la volée est magnifique. Si, hein. Mais qui n'est pas cadré là. On l'aurait pris, il aurait été beau lui. Malheureusement, il était à côté. Oui, ils sont plusieurs, ça peut aller au bout. Oh, mais non, c'est finalement, pas lui, mais c'est pas grave. Contrée, sortie, voilà, mais pas un peu de coaching pour l'entraîneur. Oui, FCF, il s'avance vers la surface. Tacle quand même malgré la neige. En phase de construction, en espérant faire mal derrière et essayer d'égaliser. Ah zut, je lui donne dans les pieds en plus. Peut-être moyen de placer un contre, attention. Vraiment comme les pieds en ce moment, c'est hallucinant. La contre-offensive, toujours le but adverse qui se rapproche. J'ai un joueur qui est blessé. Petite blessure. Mauvaise relance. Le tacle, l'arbitre qui laisse jouer. Hop. Il a coupé la ligne de passe. Il a l'air vraiment de souffrir, il est blessé. Il intercepte et même. Non. Je l'ai fait courir. Comme une grosse couche. Allez. Ouais, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Oh, c'était important de faire ce tacle. Arrêt de Klein. Non, dégagement.
qui se poursuit malgré ce tacle, l'avantage. Purée, j'aurais dû la faire avant. Pour intercepter ce ballon, peut-être l'occasion de placer une contre-attaque. Il est passé, tu vas aller marquer. L'ambiance qui est un petit peu montée d'un cran, le public qui a compris que c'était le bon moment là pour égaliser. Hop là. Un petit peu de champ là. Ah non, ça ne passait pas. Non, mais purée, c'est pas. Le ballon change de camp. C'est pas vrai. C'est pas y'a. Il est sur la trajectoire. Hop. C'est l'attaque de la dernière chance. Il ne reste plus beaucoup de temps pour égaliser. Avec ce long défense. Et contrée. Et puis intercepté. Oh, c'est un boulevard là, qui s'ouvre devant lui. Que 7 minutes à jouer dans cette rencontre. Ouais, il est bien placé pour centrer. Il cherche des solutions là. Et l'arrêt décisif. Arrêt de plein. Oh, il fallait le faire celui-ci. Et cœur congé. L'écart passé à 2 buts, c'était impossible de revenir. Le remplaçant qui se prépare à rentrer, mais à la place de qui? 85e minute. C'est récupéré, c'est bien voilà, joué. Voilà, toujours les mêmes bêtises. Je cours droit devant. Et... Le défenseur qui enraye cette action. C'est dégagé sur l'aile là pour les Black Cats. Bien au duel. Mais non. Une minute, c'est le temps additionnel qui est indiqué à l'instant. On part s'ils nous en mettent un deuxième homme. Franchement, on est vraiment sur dans une mauvaise passe depuis quelques matchs. Attention. Et la fin voilà. De la rencontre. Fini 1-0 pour Meppen. Défaite à domicile. Aucun point pour la Julia SC. C'est vraiment, vraiment décevant de ma part. C'est rien passé dans le match, c'est hallucinant. Zunächst mal danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns gekommen sind. Schubert s'est blessé. Quel sera l'impact de la blessure? Bah, revenir vite, j'espère, parce que là. La pression, toujours les mêmes réponses de toute façon, toujours les mêmes questions. On, je critique mon équipe, je sais sans faire exprès, mais je commence à critiquer mon équipe. Alors, ligament croisé antérieur, allez, 7 mois. 7 mois pour Varga, dommage. On va mettre Langer, il va peut-être monter en plus. Ça va lui faire plaisir et là on va mettre Rossel. Et Schubert à l'épaule, 5 jours ça va suivre. Il ne sera peut-être pas de retour pour le prochain match, par contre je sais pas. On verra bien. Mais là on tombe à 62. Oh purée, c'est bientôt la fin en plus du... Offre de prêt pour Martinez, Enrique Martinez. On l'avait mis... On va accepter. Je ne peux rien faire en Turquie. Coup d'eau en Australie, mon gars. Je me sens mieux dans ma tête, je suis prêt à jouer. Mais c'est un joueur important pour nous.
Et on est retombé quatrième. On n'est plus à la montée. Et c'est carrément. C'est vraiment. Puis on n'a pas acheté de joueurs. Pochettino, non, bon, de toute façon il n'y en a aucun qui veulent partir. Voilà, les études n'ont pas encore été finies. Demander des machins purés un jour pour Ricardo Alba. On a pas trop envie d'acheter des buteurs, on a machin. Moi, c'est un jour aussi pour lui. Faudra vraiment essayer de le faire au feeling. Parce qu'on a besoin de deux joueurs de moins de 20 ans. Ça m'intéresse peu quoi. Et on ne le sera pas avant de les prendre. Donc voilà, ce sera au feeling. De prendre Max Bruins. On va payer son. On va payer pour négocier. On ne connaît rien du joueur, dommage. Sporadique, m'accepter 5 ans. Voilà, pas de machin, c'est cool. 600 salaire, ouais, donc il doit être vachement bas le joueur. Par contre, la prime de signature, c'est niette. Où êtes-vous? Je me trompe, non, c'est pas ça. Pas de prime de signature chez moi pour l'instant. Je veux bien te donner 800. Voilà, il est arrivé. Alors, il y aura max 60. Ouais, voilà, donc c'est un petit joueur. J'espère qu'il va augmenter. Carson. Bushman Dortmund, accélération, vitesse, agilité. J'aurais bien essayé de chercher un milieu droit quand même pour remplacer quand même un peu Hartmann. Mais 3 millions, hein, ça c'est mort. 17 millions, alors là c'est encore plus que mort. Je suis pas sûr qu'on va trouver aussi notre bonheur. C'est
Stade Rennais, mais lui c'est mort, on n'a pas les 2 millions. Ryan Duncan, oh, Razvan Duncan. Bastos en défenseur gauche. 8 millions, non, non, non. Non. José Carmona, défenseur droit. On trouvera pas, on trouvera pas. 12 millions, non. Mohamed Bert. Payé. On n'a plus qu'à négocier avec lui. Voilà. Espoir accepté. Contrat 4 ans accepté. Bien oui, 5, mais c'est pas grave. C'est pas de machin. C'est bon. Trop Bert. Alors, est-ce qu'on a réussi? Ah bah j'ai... On le voyait, mais... On va plus le voir là. Bon travail, voilà. On a réussi ça, déjà, c'est déjà pas mal. Hein. Alors, ouais, Bert 58 et Bruins 60. On était obligé d'en acheter deux jeunes, alors on les a pris. On va les faire travailler. Hein. Développement. Lui est parti en prêt. Alors, Bruns, je vais le mettre meneur de jeu, Bruns.
va mettre Bert, on va le mettre. Renard aussi. Ouais. Ouais, on va le mettre Renard. Voilà. Et bien sûr, ce, je vais vous laisser là. Le prochain épisode, j'espère faire un peu plus de matchs. Là, c'est parce qu'on devait finir des objectifs du CE pour pas essayer de pas trop se faire renvoyer. Donc voilà. Donc je vais vous laisser là. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous demanderai de, enfin, si vous le voulez bien, de mettre un petit pouce bleu. Bye bye.